Ce soir, on connaît des films avec vidéo en poche, et de deux, évidemment, de pouvoir expliquer ses positions sur pourquoi cet objet culturel est comme les autres. De faire le voyage pour en croquer un ici, une définition, un piano voix. Agir en lieu, traverser une croisée, contacter, toucher. Ouais, toucher. Frémir, frisson. Louver, admirer, tiquer sur un relief que l'on connaît. Pas reconnaître un coin, se tromper d'embranchement, râler mes yeux. Si un ami il m'a trouvé un NPC attachant, rire. Sur une ligne de dialogue, hoche, hoche, hoche la tête devant une image incompréhensible. Bouge, bouge tes fesses et tape du pied devant la cinématique. Persuadé d'avoir pourtant gardé quelques potions, de quoi encore faire le sort de feu et traverser des fleuves en galérant. Ramener quelqu'un en stop, brûler de lire les sous-titres en conduisant. Être amer en vue, FPS, gerber, regretter les 50 trailers de l'E3 à base de pompons. Fermer Twitter car trop spoilant. Forcément, ce travail de concision argumentaire est une démarche insuffisante, car déjà délimitée par des contours, ainsi qu'une expérience passive, voire papoter, hurler, chanter, pleurer, exulter, à jamais.